Wesh, c'est quoi ça? Wow, wow, recule, 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 recule. Quoi? Ce sont des corps. Non, voiture. Wesh! Non, eh merde, c'est quoi cette vue? Wesh! Wow! C'est quoi ça? Voyez, gigantesque! Eh bien, salut à tous les amis, c'est Stargaming et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu d'horreur s'intitulant Siren Head. Donc qu'est-ce que Siren Head? C'est tout simplement une creepypasta sortie sur internet il y a déjà un petit moment. Donc c'est tout simplement un jeu indépendant sorti sur Steam, donc parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu qui est sorti définitivement sur le thème de Siren Head. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je m'excuse par avance car j'avais prévu de faire tout simplement une vidéo RP comme je vous l'avais promis, sauf que vu que je vous l'ai mis dans ma communauté, je n'ai pas encore reçu ma PS5, je la reçois dans la semaine. Donc prochaine vidéo, je vous le promets, sera une vidéo RP. En tout cas, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et puis voilà, ciao ciao. Ok, du coup on est parti. Donc malheureusement le jeu il est en anglais. Donc je vais essayer à peu près de vous traduire le jeu. Bon, je suis pas le plus fort en anglais, mais bon c'est pas grave. Ma tête me fait mal et je dois vraiment arrêter de boire, apparemment. Ils ont l'air d'avoir bien fait la fête, il y a des bouteilles de bière partout, c'est de la bière. En tout cas, ouais, ça a l'air d'avoir fait la fête, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte de la forêt, elle recouvre des articles journaux et des gens qui ont disparu. Putain, c'est rassurant ça! C'est extrêmement rassurant comme vous pouvez voir. Ok, bon, on va rien dire. Du coup, me voici dans ma petite baraque. Par contre, je sais pas trop ce qu'il faut faire, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait aucune vidéo sur le jeu. Oh, ok, L, c'est pour allumer la lampe torche, apparemment. Où sont mes clés? Bah, je sais pas où sont tes clés, mon gars. À toi de me dire. Où sont les clés? Ah, bah voilà les petites clés. Voilà les clés, nickel. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Je vous avoue, je suis un peu... Ah, mais attends, on peut sortir de la baraque? Ah, merde. Ok. Apparemment, il me faut mes clés et ma caméra avant de partir de la baraque. Bon, bah, écoutez, on va essayer de chercher ça. Hein. Est-ce que ma caméra, je l'aurais laissée dehors, par hasard? Ah, on sait pas, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Les stupides plantes. Bon, j'aimerais bien trouver ma petite caméra, s'il vous plaît. Putain. Attends. Eh, mais attends, c'est ma caméra, ça. Voilà, ma caméra, c'est bon, j'ai trouvé tout ce qu'il me faut. Ok, du coup, j'ai la caméra et les clés. Du coup, maintenant, je vais pouvoir sortir de la maison, je suppose. Logiquement, oui. Voilà, c'est nickel. Il y a mon petit camion. Ok, alors voyons voir mon petit camion. Voilà. Attends, on va vraiment conduire, c'est trop stylé, wesh. Attends, c'est GTA 5 le bail. Ok, du coup, ok, ça c'est pour conduire et. Ok. Bon, ça va, les touches sont pas trop compliquées. Donc, me voici dans mon petit camion, tranquillement. On est plutôt bien. Ok, c'est plutôt calme et plutôt flippant, hein, je vous le dis, franchement. C'est vraiment pas un jeu rassurant du tout. En plus, mon perso, il cligne des yeux à chaque fois. Bon, au moins, c'est réaliste, on peut pas dire. Voilà, hein, dans mon petit camion, je fais ma petite route et voilà. Il y a franchement très très peu de monde, comme vous pouvez voir, dans la petite ville. Enfin, si on peut appeler ça une ville. Parce que toutes les baraques se ressemblent, mais bon, on va en dire. Par contre, c'est bon, là, ça va de route, la radio. C'est quoi cette radio de merde là? Je vais l'enlever cette radio de merde. Hein. Et je m'en fous. Bon, c'est pas grave. Ok.
C'est quoi ça? C'est quoi le son de côté? Ces trucs. Bon, bah voilà, une station essence, ok. Très bien. Pour l'instant, y a pas grand chose hein, à dire. Ok, on s'avance dans les endroits un peu plus glauques. Là, on est dans les endroits qui sont. Donc, c'est de la terre, je sais pas. Par contre, ça devient réellement flippant avec la musique. J'aime vraiment pas ça. Parce quoi alors? C'est flippant! Ouais, j'aime pas ça. Moi, je me. Allez, on va se dépêcher avec le camion là. Vas-y, on se barre. Là, je sais pas ce qui se passe, les abos, je crois. Il y a Sirène Head, on est dans la merde. Ouais, je mets phare! Qu'est-ce que c'était que ça? Merde. Ouais, qu'est-ce que c'était que ça? Dit-il, mon perso. Oh putain. Qu'est-ce que se passe-t-il? Oh merde. Ne t'endors pas. Non. Oh, wesh. Wesh. Wesh, je comprends rien, on va faire un accident, là. Must stay awake. Doit rester réveillé. Attends, ça veut dire mon perso, il va s'endormir, là, fou de ma gueule. Oh, putain. Wesh. Il s'est endormi au volant. Il est sérieux, là, par contre. Wesh. On est où, là? Wesh, il se passe quoi là? Wesh, on est où? Attends, c'était Gareth. What happened? Que s'est-il passé? Où est mon camion? Bah, je sais pas où est ton camion, mon gars. On est où là? Et par contre, la qualité du jeu est franchement pas mal, hein, je trouve. Hein. Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires. Je sais pas où il est ton camion, mon gars. Mais attendez, il se passe quoi là? C'est quoi cet endroit? Dit-il. What is this place? Bon, je vous fais la traduction à peu près, hein. J'espère que c'est à peu près ça. Mais attendez, par contre, là, on est où? Attends. Je vais essayer de retourner dans la baraque. J'ai pas raté quelque chose parce que je suis sorti direct. On dirait une petite cabane. Peut-être on a rêvé, en fait, depuis le début. Il y avait pas eu de fête. On n'est pas allé dans le camion. C'était juste un putain de rêve. C'est tout à fait possible. Bon, écoutez, il n'y a rien d'autre. On va aller sur le ponton là-bas, j'ai vu qu'il y avait. Je sais pas, on dirait qu'il y a une sorte de bateau, je sais pas quoi. On va aller voir ce que c'est. Waouh, ça par contre, la qualité est vraiment super belle hein, pour un jeu indépendant. Je vous le conseille vraiment, le jeu. Non, jure, on peut conduire le petit radeau. C'est trop d'art. Avec la paddle. Voilà, c'est trop bien. Et bah voilà, on est dans le petit bateau au calme. Bon, c'est pas très rassurant, mais bon. C'est pas grave, ça doit être. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je peux sentir de la fumée. Comment ça, il peut sentir de la fumée? Y a pas de fumée, mon gars. The must be a nightmare. Ça doit être un cauchemar. Ah bah, ça doit être un bon cauchemar réaliste, hein. Que diable. Wesh, c'est quoi ça? Wesh. Bah, attends, il vient de se passer quoi là? Chapitre 3 terminé, je reçois que des trophées. Oui. Bah, je sais pas ce qui vient de se passer, mais il y a un énorme feu. Wesh, c'était quoi ça? Wesh! Wow, recule. Oh, ah non, en fait, j'ai compris, j'ai fait un accident, et ça, c'est mon camion, c'est pour ça que tu sais, je peux sentir fumer, oui! Ok, je comprends mieux. Oh, ah ouais, c'était proche. Eh bah, putain, j'étais dans la merde. Je dois trouver un chemin pour sortir de cette forêt. Bah c'est vraiment pas rassurant quoi d'être dans cette forêt. C'est vrai que là c'est ça fait assez flipper quoi. J'aime pas trop être là. Ok bon, notre but maintenant ça va être de sortir de la forêt les abos. Donc bah écoutez, on va tout faire pour hein. Ah ouais, c'est vraiment flippant cette forêt de merde. Mais par contre attendez, y a pas quelque chose à côté de mon camion là? Je sais pas. Parce que là ouais, par contre le feu il est grave bien fait. Ils l'ont trop bien fait les développeurs, j'ai juré. Non, il n'y a rien d'autre. Donc, si on récapitule ce qui s'est passé, j'ai fait un putain d'accident, je me suis endormi. Et, je sais pas, j'ai dû avoir une hallucination ou autre. Pour ça, mon perso disait, je peux sentir la fumée. C'est juste, j'ai failli crever. Par contre, c'est moi, là-bas, il y a des tours. On dirait vraiment, il y a des tours radio, je sais pas quoi. Où est-ce que je dois partir? Il y a un chemin à droite,
à gauche et tout droit. On va continuer tout droit, écoutez. Je pense que ce sera le meilleur chemin à faire. Je suppose, hein, attention. Je n'en sais rien en vérité, je vous avoue. Qu'est-ce qu'il y a là? Wazar Nerz Radiomast. Qu'est-ce qu'il y a à côté de cette tour radio, je crois ça veut dire, de cette radiomast. C'est pas moi ce qu'il y a à côté, c'est juste. On peut pas la grimper? Non. On ne peut pas la grimper, comment je vais faire? Putain, par contre, vraiment, l'ambiance du jeu, surtout que là, vous la voyez au jour, mais moi je suis en train de tourner la vidéo, on est en pleine nuit, il est minuit. Enfin, bientôt minuit, il est 23h50. Donc c'est vraiment, vraiment pas rassurant. Bon, il n'y a rien à cette tour, du coup je vais aller à celle-là. Parce que j'ai trouvé aucun... Enfin, on peut pas monter les tours, c'est ça qui me semble bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Bah attends, il n'y a rien à faire, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire. A few moments later. Ok, donc désolé, en fait, j'avais pas vu. Mais en bas de la tour du milieu, il y avait tout simplement des vélos. Et je les avais carrément pas vus. Du coup, je sais pas, c'est des bicyclettes. Mais, attends, c'est marqué quoi, là? Ça appartient aux enfants qui ont disparu. Pourquoi auraient-ils laissé leur vélo ici? Bah, je sais pas, mon gars, pourquoi ils les ont laissés ici. Peut-être qu'ils sont morts. Iskin, hein? Franchement, ça fait pas plaisir, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que je trouverai les enfants perdus si je reste sur ce chemin. Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Frérot, tu viens de faire un accident avec ton pick-up? Il se passe des choses cheloues et il veut retrouver les enfants. Il se fout de ma gueule. Je sais pas où avancer là, je vous avoue, je vais juste suivre le chemin. Je sais pas du tout où ça va m'amener, j'en ai aucune idée. Mort, Blood. Attends, quoi? C'est sérieux là par contre ce qu'il dit là? Est-ce que c'est ce que je crois? C'est du sang. Wesh! Attends, il y a encore du sang, qu'est-ce qui est arrivé à ces pauvres enfants? Wesh, c'est quoi ça? Ok, bon là, je pense qu'ils sont plus en très bon état, les enfants. Là, ça va pas le faire. Je ferais mieux de continuer tout droit, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Ces pauvres enfants, je vais les retrouver, pourquoi y a-t-il autant de sang? Wesh, mais il se passe quoi là? Ça fait flipper. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a du sang partout. Moi, c'est bon, je me casse. Putain, il y a encore plus de sang. Hein. Ça continue, hein. Pourquoi il y a autant de sang? Demande-t-il. Je sais pas. Sûrement que doit avoir des corps pas très loin. Parce que là, vu tout le sang qu'il y a... Quoi? Ce sont des corps. Non. Oh putain. Wesh, par contre, comment ça rame d'un coup? Wesh! C'est les corps des enfants qui sont morts. Si ce sont ces enfants qui pleurent. Wesh, c'est vrai ça? Si ce sont les corps, c'est qui est en train de chialer là dans la forêt? Par contre, ça fait vraiment flipper. J'aime vraiment pas la voix. On va quand même suivre les voix, écoutez, mais ça fait vraiment flipper le. C'est qui chiale là? Si c'est les enfants, le corps des enfants, c'est qui est en train de chialer, bordel de merde? Putain, ça fait flipper. Je suis en train de continuer, mais je suis vraiment pas rassuré. Je ne sais même pas où je vais. Putain. Et moi, je fais quoi, là? Wesh, attends. Wesh? Wesh? Ah, ça y est, ok. Chapitre terminé. Ok. J'ai cru que j'étais mort. Il s'est passé quoi, là, par contre? Wesh? C'est quoi? C'est un bruit d'éboulement ou quoi, là? Qui vient de se passer? Ah bah apparemment oui, il y a eu un éboulement derrière moi. Bon bah du coup bah je vais pas pouvoir retourner en arrière. Hein. Très bien. C'est quoi ouais hein. Bon bah ça sert plus à rien de retourner en arrière, écoutez. What the hell, c'est quoi ce délire? Je ne sais pas. Même moi je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est vraiment vraiment flippant. Je n'aime pas du tout ça. J'aimerais sortir de cette forêt de merde. Putain. Franchement, j'en peux plus de cette forêt. What was that thing? Cette créature. Attends, quoi? C'est quoi ce truc? Une créature? Pourquoi il y a tous les arbres qui tombent là? Il se passe quoi? C'est quoi? Me dis pas, c'est Siren Head. Où est-ce qu'il est parti? On s'en fout où il est parti.
Moi je veux pas savoir où il est parti, moi je veux me barrer de cette forêt. Non mais... Je comprends pas que ça fait peur ce personnage ou quoi. He is really starting. Ça commence vraiment à me faire peur, mais il est sérieux, moi j'ai peur depuis tout à l'heure et lui il vient que d'avoir peur là. Avec tout ce qu'il vient d'avoir, il se fout de ma gueule. Non mais c'est quoi ça? Putain. Et je ne sais pas où je m'aventure. Hein. On va tomber sur Slenderman carrément, on va même plus avoir Sirenhead. Je vous jure. Je suis perdu. Par contre la lumière elle est un peu chelou quand je l'allume, on va pas se le cacher. Hein. C'est quoi ça? Wesh. Alors désolé, mon jeu il vient tout simplement de couper. C'est chier, dit-il. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il doit y avoir un moyen de sortir ici. Espérons que je ne rencontre pas cette créature. Ah ouais, moi aussi j'ai pas envie de la rencontrer, t'inquiète pas mon gars. Putain. Ça fait vraiment flipper, j'aime vraiment pas la voix de la meuf. Mais attends, imaginez, c'est Sirenhead qui fait la voix de la meuf. Putain, il a changé hein. Putain. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Je pense qu'il sait que je suis ici. Moi aussi je pense qu'il sait. Putain. J'aime tellement pas. Mais attendez, depuis quand il y a autant de conteneurs dans une forêt? C'est une déchetterie le bail. Vraiment, il y a une déchetterie dans la forêt au milieu de nulle part. C'est vraiment illogique. This I'll just pass the dream. C'est juste un mauvais rêve. S'il vous plaît, dites-moi c'est un mauvais rêve. Putain. Ouais, bah un mauvais rêve, un cauchemar, ouais, et puis ton rêve il est. Ton rêve il est réaliste, hein, franchement. Il est franchement réaliste. Ce n'est pas simplement un rêve. Ouais, par contre, ça fait réellement flipper. J'ai trop envie de tomber sur Sirenhead. Putain. Je veux me barrer. S'il vous plaît, j'en peux plus d'être ici, vraiment. Mais c'est horrible. Je ne sais pas où aller. Vraiment, je suis perdu. Putain, je me barre. Wesh, c'est quoi ça, Homer? Une sortie. Merde, 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 merde. Oh, putain. Saute. Ok, c'est bon, il saute. Merde, wesh, c'est quoi ça? C'est malin? Wesh! Je vais crever. Je vais crever. Je sais même pas à quoi. Non! Putain, je me suis pété la gueule. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Vite, 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 vite. Je suis dans la merde, je suis dans la voiture. Wesh! Non! Eh merde! Eh merde! Oh putain! Eh merde! Il vient de me niquer, wesh! Wesh! Il vient de me défoncer! Non, je suis mort. 6.5 hours later. Ok, on est tout simplement reparti. On va repartir en course poursuite. Donc je suis désolé, ça lag. Je crois que c'est à cause de la pluie. Du coup, on se casse. Ok. Vite, 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 vite. Ok, là, faut pas que je rate mes sauts. Sinon, là, je suis dans la merde. Allez, on trace. Par contre, la lumière, elle est vraiment chelou. Allez, hop, on se casse. On peut le faire. Attends, quoi? Une sortie. Ok. Wesh. Faut que je me dépêche de courir. Cours. Merde. Je crois qu'il y avait un panneau pour... Oh, merde, je crois que je me suis trompé de chemin. Il y avait un panneau pour aller de l'autre côté. Mais merde, je crois que je me suis trompé de chemin. Je suis trop con. Vite. Oh putain, je vais me faire niquer. Allez, faut pas rater les sauts là. Là, c'est comme géométrie dash. Ok, faut que je retrouve le chemin. Parce que je crois qu'il y avait un panneau vers la gauche. Sauf que moi, je suis parti vers la droite tellement je suis con. Allez, je peux le faire. Allez. Allez, je peux le faire. Putain, mais elle est où la sortie? C'est un labyrinthe, c'est pas possible. Ok, à gauche. Ok. Je vais où? Faut que je sorte, une sortie. Way out, tiens, comme le jeu. C'est quoi ça? Oh, une voiture, yes. Ça pourrait m'aider à foutre le camp d'ici. Ok, ça devrait moins ramer, c'est à cause de la pluie, je comprends pas que ça rame. Tout à l'heure ça ramait pas, mais bon, c'est pas grave. Ok, on se casse. Vite. Wesh, par contre, elle va à 20 km/h ou quoi, la bagnole? Elle va plus vite, non? Il va nous rattraper, putain. Dépêche-toi! Putain, on est mort, il va nous rattraper, je vous jure, il va nous rattraper, il court. La vie d'homme, il court. On est dans la merde. Ça doit aller plus vite. Vite. Enfin, je dois aller plus vite. Et trace mon gars, Sirenhead il va nous niquer là.
On est dans la merde, là je vous le dis, on est clairement dans la merde. Allez, va plus vite, va plus vite. Putain, hey, je vais faire un accident à cette allure. C'est GTA le bail. C'est quoi cette lune? Wesh, c'était quoi ça? Wow, 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 wow. Wesh. Wesh, je viens de me cracher là. Wow, on est à côté d'un phare. Wow, mon bras, il fait quoi là? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Non, il va nous tuer. Par contre, c'est quoi devant cette merde ou quoi? On va mourir. Je veux pas mourir, sirenette, laisse-moi tranquille. Wesh, c'est quoi ça? Ouais. Wow. Ouais, il est gigantesque. On va mourir. On va mourir, on va mourir, on va mourir. On est mort les abos, ça sert plus à rien, c'est la fin. Et voilà. Toby continuait. Maybe. Bon bah voilà. À suivre. Peut-être qu'il y aura la suite du jeu. En tout cas, c'était vraiment un super jeu. Dites-le moi dans les commentaires si franchement le jeu bah vous a plu. Pour ma part, franchement, il était super cool à faire. Donc bah écoutez, bah voilà, ça a été un super jeu indépendant. Et puis voilà. Bon, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Sirenhead. En tout cas, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à soutenir tout simplement le créateur qui a créé le jeu, parce qu'il était franchement super cool à faire. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir suivi. Promis, la prochaine vidéo sera une vidéo RP, parce que j'aurai logiquement reçu ma PS5. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de suivre mes réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.